Allez, eh ben on va partir pour une deuxième partie de Maximum Apocalypse, après avoir échoué à la première, hein, avec le duo chirurgienne-pompier. On va essayer, eh ben, la mission suivante, on ne va pas refaire la même, on va en faire une autre, mais cette fois-ci avec deux autres personnages. Parmi donc les quatre qui me restent, mais bon, j'ai pas mis encore le... Comment dire, le vétéran et son chien. Donc j'aurai le choix entre le pistolero, la mécanicienne et la chasseuse, je crois bien. Voilà, avec ces trois personnages. Alors, la mission, c'est désamorcer la bombe. Difficulté normale. Des rumeurs disent qu'une bombe se trouve dans la centrale nucléaire. Ah, on y était déjà dans la centrale nucléaire. Elle nous avait posé des problèmes d'ailleurs. Risquant de faire exploser le réacteur. Le problème est que la bombe serait au sous-sol, dans la section du bâtiment réservée au personnel. Un ancien employé a écrit un vieux livre qui devrait nous donner des infos pour entrer dans la centrale. Trouver la carte livre ancien et la tuile centrale électrique, dépenser deux actions pour désactiver la bombe. Après cela, vous disposez de seulement trois tours de jeu pour retourner au van avec assez d'essence. Donc il y a marqué là-haut qu'il va nous falloir quand même trois essences, hein, dans notre van. Ensuite, mise en place. Placez un jeton objectif sur un lieu à au moins 5 tuiles de votre van et la carte livre ancien à côté. Quand vous rejoignez le lieu objectif, prenez le livre ancien. Prenez le livre ancien et piochez une carte boss au hasard. Ok, donc le livre ancien, le voici le livre ancien. Et qu'est-ce que... Et donc ça, c'est les petits jetons objectifs. Donc il faut que je le passe à 5 tuiles. 5 tuiles, donc 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben on va le mettre là. Hein, on va le mettre là. On va le mettre là, il est à peu près à la moitié du parcours. On se dit... Une, deux, trois, quatre. Oui, ah, au moins. Hein, donc, ouais, au moins, c'est. Ouais, on va pas trop complexifier l'affaire. Hein, déjà qu'on n'est pas super, super fort. Alors, on va rester light. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'a que trois tours pour revenir, quoi. Waouh! Trois tours pour revenir. Bon. Après, on gagne la partie s'il n'y en a qu'un des deux qui survit. Hein. Il y a aussi ça. Après, j'ai regardé un petit peu leur deck. Alors, la mécanicienne, elle a un super deck, j'ai vu, parce qu'elle a une carte qui peut... Alors, je crois que c'est utiliser une voiture ou réparer une voiture qui peut déplacer quelqu'un directement sur une case révélée. Alors, ça, c'est super fort. Et il me semble que... Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Et les deux autres, en fait, les deux autres, ils ont un cheval et elle, une moto, ou l'inverse, hein, je sais plus. Non, c'est peut-être elle qui a le cheval, enfin, je ne sais pas. Mais le cheval et la moto permettent de déplacer de plusieurs cases en même temps. Donc, ça peut être bien aussi. Après, j'ai constitué ben, tous les trois decks fouilles. Alors, il y a toutes les nourritures hein, distribuées dans chacun des paquets. Hein, donc, en tout, on a 15 nourritures. On a l'essence bon, bah, dans le rouge, comme d'habitude. Surtout de la nourriture dans le vert. Ça, il va peut-être pas falloir que j'oublie, hein, puisque la nourriture, c'est quand même important. Et des munitions à droite à gauche, quoi. Des munitions à droite à gauche. Voilà. Ok. Antidote, bien sûr, parce qu'on aura des mutants. C'est les mutants, les ennemis. C'est marqué ici. Mutants. Donc, on va sûrement se faire empoisonner. Voilà. J'ai mis toutes les tuiles. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même tunnel. Tunnel, si ça se goupille bien. Si ça se goupille bien. Ouais. Et je peux m'en servir pour revenir rapidement. Voilà. Après, il y a du classique. La centrale électrique, bien sûr.
Donc la centrale électrique, je l'ai mise dans les deux tiers restants, hein. Je n'ai pas aussi compliqué l'affaire. Donc normalement, c'est à partir de la septième tuile. Donc ça peut commencer, je ne sais plus si je les ai mises comme ça, je crois que je les ai mises comme ça, à partir de là jusque tout là, quoi. Alors peut-être qu'elle est même là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, par contre, on se chope direct un boss hein, quand on arrive là. Alors, on va tirer au sort. Eh ben, on va juste tirer au sort. Quel personnage on va prendre hein, parmi ces trois-là, on va en prendre deux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, eh ben, après, c'est suite gauche, ça sera l'impair. Et suite droite, ce sera le pair. Ah, sauf que j'ai deux dés comme ça va pas le faire. Vu que ouais. Le petit va gérer le deuxième et le grand le premier. Alors on va prendre 6, on va prendre la chasseuse. Et 6, on va prendre, donc comme c'est pair, on va prendre la mécanicienne. Ah, c'est duo féminin. Ok. Je mets tout ça de côté, je prépare les decks et puis je reviens tout de suite. Voilà, j'ai installé donc nos deux filles, leurs cartes. Alors, elle, sa carte, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a quand même discrétion 9, hein, ça c'est pas mal. Et elle, discrétion 8, elles sont peut-être pas si pas mal quand même pour éviter les monstres. Reconnaissance, action, révéler deux tuiles lieux adjacentes sans déclencher leur effet. Ah, ça c'est pas mal pour découvrir des trucs, ça c'est pas mal du tout. Par contre, si. Je crois que si. On découvre une tuile où il y a marqué vous pouvez faire une fouille, et ben c'est perdu quoi. Ça c'est un peu dommage. Et elle, alors elle, c'est pour ça qu'elle est quand même super forte, j'ai l'impression. C'est que récupérer et prenez en main une carte équipement de n'importe quelle défausse. Alors, n'importe quelle défausse, ça veut dire que je peux prendre une carte équipement de la défausse de la chasseuse par exemple. Ou éventuellement prendre la défausse des fouilles. Et dans les fouilles, il y a, ben on pourrait récupérer de l'essence. C'est ça qui est pas mal du tout. Et placez-la dans votre main. Alors en main, hein, je sais pas si je récupère un bidon d'essence, si ça marche quoi. Si je suis pas obligé de le poser là. Ok. Donc de côté, j'ai mis mes cartes à la fois les portées et puis le poste de tour. Mais ça, j'utilise plutôt mon autre mode d'emploi là. Ok, donc on est prêt. Après, il y a marqué ben, qu'il faut piocher. C'est préparation. Préparation, c'est marqué là. Une fois la grille créée, bon, j'ai créé la grille. Yaya, pioche 4 cartes. Et on peut faire un petit mulligan et défausser 4 cartes. Et après, on remet les cartes dans la pioche. Hein, dans notre deck. Donc, on va mélanger. Bon, j'avais déjà mélangé. On va mélanger, donc toi, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je mets ton deck ici. Et toi, 4 cartes aussi. La chasseuse. Alors, ça sera Eva et Martha. Allez, on va essayer de ne pas d'oublier cette fois. Eva et Martha. CDA, ça sera bon. 1, 2, 3, 4. Ok, Eva et Martha. Alors, Eva, qu'est-ce que tu as? Ah, une arbalète, ça c'est cool, hein. Ah, c'est déjà une belle arme. Et là, il y a marqué le flèche empoisonnée. Bon, par contre, ça m'use de l'essence, hein. Voilà, 3 dégâts jusqu'à 2 autres cibles n'importe où à portée. Ah ouais, super. Bon, par contre, ça me prend déjà 3 places, hein. La fameuse moto. Déplacez-vous jusqu'à 3 cases. Ouais, c'est ça que je disais. Donc, elle, c'est plutôt la moto. Bah, la moto, je vais peut-être pas la prendre tout de suite. Et dans l'obscurité, piochez 3 cartes d'un deck fouille et défausser l'une d'elles. Waouh, ça, c'est fort. Ça, c'est super fort. Ça, c'est quand même super fort. Est-ce que je l'utilise tout de suite ou pas? Parce que l'intérêt, je dirais, c'est si je pioche 3 cartes et que j'ai. Une embuscade, parce qu'il y a des embuscades dans chacun des paquets fous, il y a une embuscade. Donc bon, il va peut-être falloir quand même que j'attende un petit peu. Je vais quand même la garder parce que mine de rien,
J'ai quand même du bon matériel. Je vais juste défausser juste ma moto et je vais récupérer un piège. Infliger 2 dégâts à une cible et assommer-la jusqu'au début du prochain tour. Ok. Donc je reprends ma carte et je la remélange dans mon deck. Voilà. Ok. Ça, pour toi, c'est bon. Et pour Martha, Martha, une amélioration, amélioration. Placez cette carte sur une arme, celle-ci inflige un dégât supplémentaire. Ah, d'accord, c'est pas un équipement. Parce que je me disais, je réfléchissais avant, mais j'avais pas vu la carte. Je savais qu'elle avait ça comme carte, mais je savais pas si c'était un équipement ou. Et donc, je me disais, mince, si c'est un équipement, on n'a pas le droit de mettre deux équipements, on n'a pas le droit d'avoir deux fois deux équipements dans son matériel, à l'exception des bidons d'essence. Donc, je me disais, ben, on ne peut pas améliorer deux fois une arme, mais là, on peut améliorer deux fois une arme. Recharger complètement une arme à portée. Éclair à molette. Oh, pas mal! Ouh, elle va pouvoir faire 4 dégâts si je lui colle ces deux-là. Plus ça, une arme à portée, et toi, t'as quand même ça. Bon, celle-ci, je vais peut-être la mettre de côté en attendant. Est-ce que je prends une autre action? Ou est-ce que je me la garde? Bon, je vais la garder. Je vais tout garder. Martha, elle garde tout. Elle est quand même. Je trouve qu'elle est pas mal. Elle est pas mal. Les deux sont bien. Allez, on reste là. Et donc, on a fait notre petit deck. Enfin, on a pioché nos cartes. Chaque joueur prend un défunt et le place sur 1. Ça, c'est fait. Chaque joueur pioche une carte monstre. Alors, eh oui, notre vanne est arrivée. On a été un peu bruyante. Et il faut que. Il faut se débarrasser donc de ces deux monstres qui vont arriver. Alors, Eva. Ouh, punaise, t'as déjà un ancien militaire, ça c'est pas super. Oh, deux anciens militaires. Waouh, waouh, la chose positive qu'on peut se dire, c'est quoi? C'est pas grand-chose, c'est que. Ah si, ils seront dans la défausse. Ça peut être pas mal quand même. Alors maintenant, eh ben maintenant on va réfléchir un petit peu. Hein. On va quand même essayer de réfléchir, savoir qui commence et ce qu'on va faire. Je mets ça. Alors j'ai mes deux decks. Alors elle, oui, elle risque de faire quand même du dégât. Hein. Moyenne portée. Si on regarde ici, moyenne portée, c'est quand même sur notre case. Donc ça peut être bien. Bon, j'étudie. Pas perdre trop de temps quand même. Et je reviens. Ah mince, j'ai pas vu. Et quand on le pioche, on dépose, on défausse un objet. Mais j'ai pas d'objet. Donc 4 dégâts chacun en fait. 4 dégâts chacune. Ça commence bien. Ouais, j'avais pas vu ça. Déjà 4. Et 4, ouais. Oui, ça c'est important. Ok. C'est bueno. Alors, j'ai un peu réfléchi. Alors, c'est bien sûr, c'est la chasseresse qui va commencer. Et on va essayer de se débarrasser de ces trucs. Donc, pour une action, je pose mon arbalète. On va te mettre là. Pour une action, je pose une arbalète. Donc, j'ai quand même 8 munitions. Hein. Ça, c'est pas mal. 2, 4, 6. Oui, au précédent scénario, on n'avait pas du tout utilisé les munitions. Donc c'est pas mal. Bon, je rangerai un petit peu 2, 4, 6, 8. Ok, première action. Deuxième action, je fais l'action. Donc l'action, c'est marqué infliger 3 dégâts à une cible. Vous pouvez dépenser une autre munition pour attaquer une cible supplémentaire. Donc j'en dépense 2. Et je leur mets 3 dégâts chacun. 3. Et comme l'autre, il est aussi à portée moyenne, je lui mets aussi 3 petits dégâts. On va te mettre là-haut. Hop. Ouf. Après, c'était donc ma
Ah oui, j'ai pas pris mes jetons pour les actions. Il va falloir que je les prenne. Une, deux, troisième action, je refais la même chose. Donc cette fois-ci. Ah oui, j'ai pas bien joué. J'arrive à 6. Les deux, ils arrivent à 6. D'accord. Et dernière action, qu'est-ce que je pouvais faire? Ah oui, ben j'ai pas, ouais, j'ai pas calculé. Je croyais qu'il avait que 8, mais en fait il a 10. Bon, il va me donner des dégâts. Hein. Et ben pendant que j'y suis, je rejoue la même chose. Et donc ils ont tous les deux 9 dégâts. 6, c'est 3. 9. Ouais, si c'est 3. 9. Bon, dommage. Dommage. Je vais quand même me prendre 4 dégâts. Ok. Bon, bah au moins, au tour suivant, ils vont mourir. Ok. Donc ça, j'ai réalisé mes 4 actions. Voilà. Ensuite, je... bon, la tuile fin, il n'y a pas de fin sur la tuile. J'augmente ma fin et j'active les monstres. J'augmente ma fin à 2. Et malheureusement, lui, il m'attaque à 4. Donc 4, 4 et 4, ça fait déjà 8. Hop, 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 hop. 4 et 4, ça fait 8. Ouais. Bon. Ah, mince! Oui, j'ai oublié de jouer mes dés. Alors, j'espère que je ne fais pas un 6. 4, hein. Ouf. Oui, c'était les dés au début du tour. Il fallait que je joue mes dés. Bon, j'ai fait 4, c'était 6. Ok, j'ai rattrapé un petit peu l'erreur. Sinon, j'aurais vraiment souffert. Alors, ça, c'est bon. Qu'est-ce que je veux faire? Et donc, il m'a donné mes 4 dégâts. Eh ben, c'est bon, c'est réglé. Le tour est fini. Fin de tour. À toi. Alors toi, bah, il faut que tu tues les deux autres, hein. C'est pas bien compliqué. Donc toi, tu as ça. Donc pour une action, tu poses ta clé à molette. Deux actions, eh ben, tu infliges deux dégâts. Donc toi, tu es mort. Ah, mince encore. Oh, punaise. Il faut que je... Apparition des monstres. Pas de 6. Pas de 6. Il est cassé. Pas de 5. Il est cassé. Bon, il est cassé. Ça m'énerve. Mince, 6. Punaise. 1. Et 1. Ok. Bon, ben là, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave. De toute façon, toi, tu vas quand même piocher. Ah, il n'y a pas marqué apparition. Piocher poison. Oh, punaise. Piocher poison. En plus, t'as du poison. Ok. Alors, on met notre clé à molette. Ok. On tue ces deux-là, ça fait 3. Ça fera 3. Donc, enfin, un qui est mort. C'était ma deuxième action. Ma troisième action, je tue celui-là. Est-ce que je le tue en fait, vu que ma troisième action, ouais, ça vaut peut-être pas le coup. 3 et 4. Troisième action. Ouais, le problème, c'est que... Ouais, le problème, je réfléchis un petit peu. Ouais, c'est bon. Troisième action, je lui mets 2 dégâts au mien, à lui. D'accord. C'était ma troisième action. Et quatrième action, je tue celui-là. Ne les mets pas au bon endroit.
Ah mince, ah non, si, je l'ai mis au bon endroit. C'est moi qui me suis trompé. Ok, bon, on en est où? On en est. Mince, ouais. Je vais remettre tous mes jetons là, ils n'étaient pas au bon endroit. Voilà, ok. Donc, j'ai fait mes quatre actions. J'ai posé, j'ai tapé une fois, j'ai tapé deux fois, j'ai tapé trois fois. Ok. Donc. Oh, j'ai oublié aussi. Il fallait que je pioche une carte. Ah, il faut que je suive vraiment le truc, hein. Piocher une carte, je gagnais ça. Piège à ours. Ah, ça m'aurait été. Ah non, il faut le poser. Il faut le poser quand même, le piège à ours. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu avais en main? Tu avais mine de proximité. Ok, j'avais ça. Oui, ça, il faut pas que je me trompe quand même. Pas très. Alors, on y va. Lui, donc, j'ai fini toutes mes actions, mes quatre actions. Augmenter ma faim, j'augmente ma faim. J'active les monstres, il me met 5 dégâts. Hop, hop, ça fait déjà 9. Oula, parti. Et fin de tour, il n'y avait pas d'effet de fin de tour ce moment-là. Et on vérifie les objectifs. Donc, c'est pas bon. C'est bon. Allez, on rejoue. 6. 7, c'est bon. J'ai pas. Je pioche une carte. Allez. Et va. Ah, une machette. 3 dégâts, c'est pas mal du tout, la machette. Après. Lui, il était mort. Hein. Je l'ai pas enlevé. Par contre, j'ai du poison. Oh, punaise. Bon, je fais ça. Un coup d'arbalète. Première action. Donc, j'inflige 3 dégâts à une cible. Vous pouvez dépenser une autre munition pour attaquer une cible supplémentaire. Donc là, 3 et 3, les deux sont morts. Ah, quand même. On s'est séparés. Donc ça, c'était ma première action. Je vais quand même chercher des petits jetons et je reviens. Ok, j'ai remis mes petits jetons, hein. Donc, première action, on avait dit. J'avais fait un coup d'arbalète. 4, 5. Ok. Deuxième action. Ben, je vais me déplacer. Hein. Me déplace ici. Ah, quoique. Est-ce que je ferais pas ça là? Ouais. Parce qu'il me faut quand même de l'antidote et des trucs. Alors, des soins, il y en a dans quoi? Antidote, c'est là. Nourriture, c'est là. Et kit de soins, c'est là. Kit de soins, c'est quand même pas mal, hein? Mais il n'y en a pas beaucoup, des kits de soins. Ça va quand même être dur, hein? Mais il me faut de l'antidote. Piocher trois cartes fouilles. Et défausser l'une d'elles. Ouais, je vais faire ça. J'ai fait ça et j'essaie. C'est l'antidote ou j'essaie? Ouais, antidote. Antidote. Allez, je fais ça. Je défausse ma carte donc. Je joue cette carte et je prends d'un deck fouille. D'un deck fouille. Alors, le vert. Allez, on prend le vert. J'ai pas mélangé, je mélange. C'est la première fois qu'on joue. Allez, une, deux, trois. J'espère qu'il y a une embuscade. Ça serait bien. Mince. Vide. Ah, ben on défausse vide. Ça, c'est pas mal. La défausse, je vais la mettre là-haut. Vide. Et par contre, j'ai nourriture et munitions. Recharger entièrement une arme équipée. Placer autant de jetons munitions. Oh, c'est bien ça. Donc, je les garde en main. Réduisez votre faim de 5, ça c'est super. Par contre, ouais, ce qui est moins bien,
C'est... Alors, c'était ma deuxième action. Troisième action. Je me déplace ou... Je sais pas s'il faut que je me déplace. Ouais, il était un peu faible. Non, tu révèles deux tuiles adjacentes sans déclencher leur effet. Supermarché. Ah, bah, c'est bien ça. Supermarché. Alors, on a du bol. Donc, ça, c'était ça. Et si je rentre, je fais une fouille gratuite. Eh ben, on va faire ça. Je me déplace. Un, tac. Et révéler. Ah ben non, c'est révéler une fouille gratuite, ça marche pas. Ah, c'est révéler, bah, c'est ce que je disais. Le fait de l'avoir révélé, eh ben je peux pas la faire, quoi. Et qu'est-ce que je vais faire? En quatrième action, bah, je vais me déplacer. Voilà, je me déplace. Ensuite, c'était ma quatrième action. Voilà. Ok. Par contre, comme j'ai poison, le souci, c'est... C'est quoi le souci de poison? Poison. Piocher. Place un jeton poisonnier. À la fin de chaque tour, prenez autant de dégâts que de poison. Donc, on prend un nouveau dégât. On arrive à 9. Ouais, c'est pour ça qu'il me faut de l'antidote. Et j'augmente ma faim à 3. Voilà, on est à 3 maintenant. Je pense pas que la partie va durer très très longtemps si on continue comme ça. Ah, Martha, elle lance, elle fait 10. 10, on a 6 et 8, donc c'est bon. Pas d'apparition de monstre. On pioche une carte. Chalumeau, courte portée. Ah, ça prend 2 places. Infliger 6 dégâts à une cible ne peut être chargé qu'en dépensant de l'essence. Ok, ça c'est bon. On se déplace. Donc, ma première action, je me suis déplacé. Ma deuxième action, je vais faire une fouille dans le bleu. Alors, bleu, on n'a pas mélangé. Bleu, je crois que j'ai pas d'antidote dans le bleu. Si, si, si. Mais il n'y a qu'un seul. Deux antidotes. Non, un seul. Un seul antidote. Bleu, qu'est-ce qu'on va récupérer? Des munitions. Ah, pas mal quand même. Et ça, c'est quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Je fais ma fouille. Il faut quand même essayer d'avancer. Je me dis que je vais améliorer deux fois mon... ma clé à molette. Donc ma clé à molette, elle a plus 2. Voilà, j'ai plus 1 dégât, plus 1 dégât. Ça me fait... Elle attaque à 4. Ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai fait mes deux actions. J'ai fini mon tour. Voilà, parce que mes deux actions, c'était ça et ça. Voilà. Donc on augmente notre faim. 3. Ok. On active les monstres, il n'y a pas de monstres. Ok. Ah. 4. Eva, elle n'a pas. On pioche une carte. Un arc. Bon, l'arc, pour l'instant, chez l'arbalète, c'est peut-être pas très utile. Ça, c'était ma première action. Aucune action, pardon. 1, 2, 3. Première action. Toi, tu récupères tes jetons. Tu vas fouiller. Voilà. Première action, tu fouilles. Bleu. Ah, antidote. Ouf. Deuxième action, tu la joues. Bien sûr. Tu joues ton antidote.
T'enlèves ça. C'est ta deuxième action. Je le mets là-haut. J'ai joué. Ça, c'est pas... c'est bien. Troisième action. Je vais révéler ces deux tuiles. Je vais faire ça. Révéler deux tuiles, lieu adjacent. Donc, on va révéler celle-ci. Station-service. Alors, révéler une fouille gratuite. Mince. Et on va révéler celle-ci. Ferme. Oh là 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 là, pas de chance, une fouille gratuite là. Pff, punaise. Ok. C'était ma troisième action. Et quatrième, qu'est-ce que je peux faire? J'ai bien envie de recharger mon arbalète quand même. Non, ça c'était carte à toi. Oui, non, non, je suis bête. Toi c'est ça. Est-ce que je mets ça? Voilà. Je recharge entièrement une arme équipée. Donc, je recharge. Voilà. Je mets mes deux jetons ici. Voilà. Et je remonte à donc 8. 2. 4. 6. Et 8. Ok. On a nos munitions. Voilà, tu as fait tes quatre actions. Voilà. Après, augmenter ma faim, je monte à 4. D'accord. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'ai mes cartes, j'ai assez de cartes. C'est bon. Ah, Martha. Martha, elle va jouer ses dés déjà. Apparition des monstres. 9. C'est 8. Ouais, Martha, c'est bon. Ouf. On pioche une carte. Non, c'est mes cartes, ça. Qu'est-ce que je fais avec ces cartes-là? Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme bêtise. Ça, je l'avais. Ça, je l'avais. J'avais récupéré ça, ça. Oui, c'était mes quatre cartes. Ouais. Donc, je pioche une carte. Vérification des armes. Augmentez de 1 tous les dégâts infligés par tous les personnages jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais ça, c'est à utiliser au bon moment, on va dire. On fouille. Première action, on fouille dans le supermarché. De l'essence. Ah, de l'essence, c'est peut-être pas mal. Une essence, je suis obligé de la mettre ici. Ça me fait 2. J'ai fouillé, j'ai fait une action. Deuxième action, est-ce que je retourne au van pour la déposer? Et je reviens. Ouais, allez, je pars, je dépose gratuitement ça au van. Donc, au van, on dit qu'on a déjà une essence. Ça, alors je ne sais pas si on la met dans la défausse ou pas. Non, je pense qu'on la met de côté. Hein, c'est vraiment l'essence qu'on a récupérée. Et je reviens. Alors, c'est ça. J'ai fouillé, je me déplace une fois, je reviens et... Ah oui, je me déplace une fois. Je reviens. Je fais mon action. Et il me reste encore une action. Il me reste encore une action. J'ai fouillé. Je me suis déplacé. Action gratuite. Je me redéplace. Action gratuite. Je me redéplace. Et il me reste ça. Eh ben, on va peut-être aller. Où est-ce qu'on peut soigner? C'est ça qui est important. Récupérer des soins. C'est plutôt dans le rouge. Dans le rouge. Donc, tu avances ici. Voilà. Voilà, quatrième action, tu as avancé. Ok, ça c'est réglé. On augmente notre faim, on monte à 4. D'accord. Après,
Les fins, il n'y en a pas. Les monstres, il n'y en a pas. Apparition des monstres. Ah, Eva. 5. Punaise, elle a un monstre. Oh là 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 là. Défausser un objet ou subissez 4 dégâts. Oh, la clé à molette. Non, tu vas pas la défausser. Hein. Tu prends encore 4 dégâts. Oh. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est réglé. Alors après, toi. Ben, alors, toi, à ton tour, tu pourras le taper une fois, ça fera 4 dégâts. Donc, il faut au moins que je lui en donne 6. Deux actions. Mince, mince, mince. Déjà, il faut que je pioche ma carte. Voilà, camouflage. Défausser une carte monstre attachée. Elle ne peut pas être un boss et remplacez-la par un pion monstre posé sur votre tuile. Ah oui, d'accord. Ah, mais j'ai plus un en camouflage. Ah ouais. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est pas très... Ouais. Piège à ours. Il faut que je le pose à courte portée. Donc, ça, c'est sur place. D'accord. Donc, bon, oui, bah, je fais ça. Je défausse donc deux actions pour infliger à portée moyenne 3 dégâts à une cible. Donc, ça fait 6. Ça te fait 6 dégâts, toi là-bas. Première action. Deux actions, t'as 6 dégâts. Donc, ça peut le faire. Après. Deuxième action, tu vas fouiller. On va fouiller. Bleu. Une lampe torche. Ah, ça, c'est pas mal. Et quatrième action, je vais la poser, ma lampe torche. Voilà. C'est tout. Par contre, j'augmente ma fin de 5 à 5. Ok. J'augmente ma fin à 5. J'ai pas de monstre attaché, donc je suis sereine. Ah, Martha, Martha, il faut que tu te débarrasses de lui, mais surtout 6, 6, un monstre ici. Ok, un monstre qui peut venir là. C'est bon. Martha, première action, tu tapes donc à 2, plus 2, plus 2, 4, toi t'es mort. Ouf. C'est un militaire, j'espère qu'il n'y en a quand même pas 50 000. Hein. Ok, première action. Ah non, t'as pas pioché ta carte, bien sûr. Ah, réduisez les dégâts de 1. D'accord. Deuxième action. Ben, tu vas. Deuxième action, tu vas fouiller. Tu fouilles dans le rouge. Ah, j'ai pas. Pièce détachée. Récupérez une carte de votre défausse. J'ai pas de carte dans ma défausse. D'accord. Donc, deux. Est-ce que tu pars dans le bleu et tu fouilles? Ou alors on avance, hein. On va peut-être avancer parce que... Pourtant, c'est dans le rouge où on a des soins. C'est dans le rouge où on a des soins. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ben, je vais rester là et je vais poser ma mine de proximité. Mine de proximité, c'est quand même pas mal. Mine de rien. C'est bon, ça prend un emplacement, ça c'est sûr. Passif, lorsque vous piochez un nouveau monstre, défaussez cette carte et infligez 7 dégâts au monstre. Voilà. Si je me prends un monstre, je pourrais peut-être faire ça. Ça peut être pas mal. Et c'était. Alors, une, deux, trois. Ah non, c'était que ma troisième action.
Et quatrième action. Est-ce que je mets... J'ai pas de carte dans ma défausse, hein, donc est-ce que Ella récupérait et prenait en main une carte équipement de n'importe quelle défausse? Il n'y a pas de carte équipement dans les défausses. Il n'y a aucune défausse avec des cartes équipement. Donc ben qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas fouiller. Je me demande si pour une action, je ne vais pas piocher une carte. Je pioche une carte. Ah, vérification d'armes. C'est pareil. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça c'était ma dernière action. Donc je remets mes petits jetons ici. On a fait notre 4 actions. J'augmente par contre ma faim. Ça, c'est pas top du tout. Ça, vraiment, ça me gêne. On active les monstres, il n'y en a plus. Ok, on remonte. Apparition des monstres. Eva, 8. Oh punaise, tu te prends un monstre. Ah, un mutant. Ah, c'est au moins, il n'a pas. Je pioche une carte. Ingénieux, choisissez un équipement dans votre pile de faisceaux et mettez-le directement en jeu. Ça, c'est peut-être pas mal. Alors. Ouais, il faut le tuer celui-là. Hein. On va faire ça. Alors, pour une action, je pose mon piège à ours. Une action. Ça fait 1, 2, 3, 4. C'est bon, ça c'est possible. Deuxième action, je la défausse. Courte portée, 5 dégâts à une cible. Donc il se prend 5 dégâts. Il se prend 5 dégâts. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'était une action. Deux actions. Ok. Trois actions. Je, portée moyenne, je lui inflige 3 dégâts. Donc il est mort. Ouf. Lui, il est mort. Ça m'arrange. Il va plus me mettre de dégâts. Et quatrième action. Oh, punaise, c'est ça. Ben, je fouille. Lorsque vous faites une fouille... Piochez deux cartes et gardez-en une. Alors, il y a marqué, lorsque vous faites une action fouille, piochez deux cartes, gardez-en une, placez l'autre sous la pile. Ah bah oui. Ah oui, mais merde. Ah, j'ai mal joué. Oui, j'ai mal joué. Ok. Donc ça, je la remets en dessous, bien sûr. Je prends ça et... Comme j'ai mal joué, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Comme j'ai mal joué, je vais me prendre 2 dégâts parce que j'ai fini mon tour. J'ai fini mon tour et je me prends donc de nouveaux dégâts. 2. Alors ça fait 2 et 3, 5. Voilà, on est là. Là, il faut vraiment... On n'avance pas, on n'avance pas. Pourtant, j'ai de la nourriture. Ah, on pourrait échanger, se nourrir. Ouais, ça peut être pas mal. Ah, Martha, Martha. 8. Mais c'est pas possible. Allez, 8. Ah, et puis tu reprends, moi. Ah, défausser. Ah, prenez 4 dégâts. Ben, on défausse la lampe torche. C'est un outil, c'est peut-être pas mal, ça. Ok. Ah, oh, punaise, c'est pas vrai. Alors, toi, au prochain tour, je pense que tu pourras quand même le tuer. Alors, t'as pas pioché ta carte, tu pioches ta carte. Balle artisanale, recharger complètement une arme à portée. Courte portée, c'est quelqu'un qui est à côté de moi. D'accord. Ok, bon, j'étudie. Ok, donc j'ai réfléchi. Première action, je vais faire ça. Vérification d'armes. Augmenter de 1 tous les dégâts infligés par tous les personnages jusqu'au début de votre prochain tour. Première action, je joue ça.
Deuxième action, je me déplace. Troisième action, je tape le gars. Donc je lui fais 4, 5 dégâts. Je lui fais 5 dégâts. Comme j'ai plus 1 en dégâts, lui il a 5 dégâts. Ok. C'était une, deux. Je me suis déplacé, mince. 3. Et dernière action. Je fais une action gratuite pour échanger la nourriture 3. Donc toi, tu récupères la nourriture 3. Et tu la joues 4. Donc tu récupères 3, tu descends à 2. Et 2, comme c'est la fin de ton tour, tu montes à 3. Voilà. On n'a rien fait de plus. Voilà. Ah, Eva. Alors, Eva va s'en débarrasser de son truc là. Pff, quand même. 10. Il y a du 10. Non, il n'y a pas de 10. Ouf. Alors, Eva, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça. Choisissez un équipement dans votre pile de défauts et mettez-le directement en jeu. Alors, ça, c'est pas mal. Parce que directement, je mets mon piège à ours. Là, je mets ma carte. Ok. Donc, j'ai joué ça. J'ai mis. Deuxième, je vais défausser encore mon piège à ours et je file 5 dégâts. Donc lui, enfin, les militaires, là, j'en veux plus, moi. Hein. 5. Ok. Ça me faisait 2 actions. Après, il m'en reste encore 2. Ah oui, ben, il y en a une, forcément. Je me nourris de 5. Donc, je redescends à 1. Et redescendant à 1, bien sûr. Je me retourne. Voilà. Il me reste encore une action. Oui, parce que j'ai pas mis mon petit jeton. Et l'action, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je fouille. Je fouille bleu. Ah, j'ai pas pioché ma carte. Ah, dis donc, ah, c'est pas vrai, hein. Pas piocher ma carte. Tire à la tête. Ah, c'était longue portée, donc je pouvais pas l'avoir. Et je fouille. Toki-Walki, choisissez un autre joueur et réalisez immédiatement une action. Peut-être pas mal. Ok, donc on a fait nos 4 actions. Eva a fait ses 4 actions. J'augmente à 2, bien sûr. Voilà, c'est pas trop mal. À Martha, Martha. 5. Ah, 5, on se prend un ennemi ici. Dans le bleu, on n'a vraiment pas de soin, je crois. Hein. Non, il n'y a que des antidotes, il y a des essences. Je pioche ma carte. Frappe de drone. Retirez tous les pions monstres d'une tuile lieu. Ah, c'est pas mal ça. Et ma quatrième, elle est là. Donc je suis là. Qu'est-ce qu'on fait? Supermarché, je sais que la carte monstre, elle est tout en bas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Mes bleus, je ne sais pas si c'est super intéressant. Lampe torche, pistolet, toki-walki, jumelle, antidote, essence, nourriture 3. Pièce détachée 3. Ah, il y a quand même pièce détachée 3. Est-ce que je joue mon drone pour aller à la station-service et faire une fouille? Ah, mais j'avance pas du tout là. Et dans le verre, il y a quoi? Ouais, pourquoi on n'irait pas dans le verre? Il y a 2 verres, il y a 9 nourritures. Ah, ouais. Mais il n'y a pas de soins. Ah, moi, c'est vraiment les soins qu'il me faudrait. C'est vraiment les soins qu'il me faudrait. Ben, on va faire ça quand même. Hein. On fait le drone. Allez, on jette le drone. Retirer tous les jetons monstres. Ok, on retire celui-là. Première action. Deuxième action, je me déplace. Troisième action, je fouille. Ouais, j'avance vraiment pas. Hein. Ah, kit de soins.
Eh ben, je la joue, hein. Donc, je me déplace, je fais la fouille, et je me soigne de 3. 1, 2, 3. 3 seulement. Pas être top, hein. Ok. Par contre, je monte à 4. Je monte à 4. Ah, c'était pas toi. C'était pas toi là. C'était pas toi, pourquoi? Oui, parce que toi t'avais joué, d'accord. Oui, en fait, c'était tout. Bon, c'est pas grave. Allez! Apparition des monstres, Eva. Pas de monstres. 4. 4, non. Ok. Ouf, enfin. Un déplacement. Une fouille. Vert. Une embuscade. Une embuscade. Allez. Un petit mutant, ok. Un petit mutant. Alors, j'ai fait deux actions qui va me filer 5 dégâts. Ça peut être pas mal et je me prends 3 dégâts. Ouais, ben on va faire ça. Quatrième action, on met ça. Enfin, troisième action, je mets ça, un camouflage. Action. Donc j'ai posé la carte et l'action. Ah ben, je suis obligé de faire l'action. Défausser une carte monstre attachée et remplacez-la par un pion monstre posé sur sur votre tuile. Ah ouais, ça fait quand même ça. Ouais, alors qu'il a que 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Oui, ben on va faire ça. Ouf. Voilà. Donc, toi, tu défausses. Et par contre, on y met un petit pion. Alors, le pion, tant que personne ne rentre dessus, il ne se passe rien. Voilà, j'ai fait mes. Ah, j'ai pas pioché ma carte, bien sûr. Un sac à dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, pense à faire toutes les actions. C'est dommage d'oublier tout le temps. Bon, par contre, j'ai un camouflage à plus 2 maintenant. Donc, en fait, je me déplace à 11. À 11, personne ne me voit. Hein. Ouh, c'est cool ça. Ouais, c'est pas mal du tout. D'accord. Donc, tu as fini de jouer. Par contre. Tu montes ta fin à 3. Toi, j'avais monté ta fin. Oui, je pense. T'as mangé 3. Oui, ça doit être ça. Allez, à Martha. 9. Non, il n'y a pas de 9. Ok. Tu pioches une carte. Clé à molette. Bon, celle-ci, tu l'as déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. Petit 1, tu fouilles. Non, tu prends toi. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu. Ah, une nourriture de 1. Ouais, c'est nul. 1. Bah, tu la gardes. 2, tu te déplaces. Allez, on se déplace. Un, on en a marre. On est impatient. Prairie. Piocher un monstre. Super. Fin. Piocher un monstre. Ouh, punaise. Alors, j'espère que le monstre, il fait pas beaucoup de dégâts. Comme ça, je peux, lorsque vous piochez un nouveau monstre, défausser cette carte, infliger 7 dégâts. J'espère que... Un 8. Oh, bah cool. 8. Donc, je la défausse. Il se prend 7 dégâts. Ça, c'est pas mal. 5 et 2. 7. C'était donc ma deuxième action. Là, il n'y a pas de... Non. Donc, après, je le tape, bien sûr. Je le tape. Je le tue. Donc, lui, il est mort. C'était ma troisième action. Et quatrième action, ben on avance. Allez, hein, on part quand même. Et là, refuge. Ouh, refuge. Vous êtes immunisé aux dommages.
Ok, donc là, c'est quand même pas mal. Je crois que oui, j'avais pioché ma carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on bascule à 5. On bascule à 5. Ouais, en fait, j'ai peut-être pas besoin d'avoir les 4 des jetons de chaque perso. Il suffit peut-être que j'ai juste des jetons pour un seul. Ok, allez, on y va. 8. 8, oh, c'est dans la prairie. Hein, dans la prairie et au supermarché. Fin de tour, comme j'étais pas sur la tuile, ça allait, quoi. Eh ben, 1. Ah, quoi que je peux fouiller dans la ferme. Je fouille dans la ferme, petit 1. Je fouille la ferme. Ah, oui, j'ai pas pioché ma carte, bien sûr. Tire à l'arc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Je me déplace. Donc là, j'ai pas de montre à attacher, j'ai personne avec moi. Donc il faut que je fasse moins de 12. Moins de. Je fais 9. 9, j'ai. J'ai 9 plus 2, ça fait 11. Donc c'est bon. Premier déplacement, sans souci. Oui, j'avais pas fait ma fouille. Ah oui, mince, avant, je voulais faire ma fouille. Ah mince. Mince, avant, je voulais faire ma fouille. Punaise. 2, j'arrive ici. 3. Voilà, on est bien protégé. 3. Je fais ça, rélever les deux tuiles adjacentes sans révéler les avoir fait. Donc toi, t'as quoi? Une prairie. Ah, et l'autre, il a laissé son journal dans la prairie. Son livre, il l'a enterré, il l'a enterré. Et celle-ci. Ah, bah là, la centrale. Ouh, on a du bol. C'est la centrale. Entrée, défausser toutes les cartes nourriture. Et on chope un poison. Ah, ouah, ouah. Ah, mais alors, on est quand même pas si mal. Bon, pas de tunnel. Ça, c'est ce qui m'inquiète. Donc, c'était ma troisième action. Et quatrième action. Qu'est-ce que je peux faire? Quatrième action, est-ce que je mets ça? Ou est-ce que je pioche deux cartes? Ah, parce que là, le souci, c'est qu'on est cerné par des trucs où on ne peut même pas fouiller. On ne peut même pas fouiller. Ça, c'est moins bien. Là, j'ai plus un en. Ouais, ça fait 3. Ah oui, et puis il faut de l'essence. Mais de l'essence, si j'arrive à revenir là, c'est bien. Choisissez un autre joueur et réalise une action immédiatement. Eh ben, je vais poser ça en 4. En 4, je vais poser un talkie-walkie. Allez. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que on sait où est la centrale. Ouais, on sait où est la centrale. Donc ça, je monte à 4. J'ai fini. Ah, Martha. Elle fait 8. 8, malheureusement, on se chope encore. Et tes drones, ils sont où tes drones? 8. Ouais, 8. Ah oui, il faut que je regarde parce que quand on se déplace, il me semble que on rajoute le nombre de monstres qui se trouvent, je crois, hein, je regarde. Hein. Oui, c'est bien ça. Hein. En fait, c'est marqué test de furtivité, lancez 2 dés principaux. Si votre lancer est inférieur ou égal à la valeur de furtivité de votre survivant, vous avez réussi. Chaque pion monstre sur la tuile réduit de 1 votre furtivité. Voilà. Est inférieur ou égal. Donc j'avais fait 9, il me semble, j'avais fait 9, mais en fait j'avais 11. 9 moins 1, ça fait 10, donc il n'y avait qu'un seul monstre. Là par contre, si j'y retourne, d'ailleurs on va éviter d'y passer, je pense. Est-ce qu'on repasse plutôt par le haut? Je sais pas. Quoique c'est la centrale électrique, donc après il va falloir revenir par là.
Ok, donc c'est Martha, elle a mis ses deux jetons. Martha, elle va passer à 6. Première action, elle prend de la nourriture. Miam. Elle prend de la nourriture, elle descend à 4. Bon, ça peut être utile. Après, récupérez et prenez en main une dans n'importe quelle défausse. Eh bien, ça, tu récupères ta mine. Ça fait deux actions. Ah, j'ai pas pioché ma carte. Tu pioches ta carte, chalumeau. Ok. Action, tu fais ça. Première action, c'est ça. Tu la récupères et tu la mets en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est bon. Tu la poses, deuxième action. Ah non, non, t'as mangé aussi. Ouais, t'as mangé. Donc ça fait trois actions. 1, 2, 3. Ça fait trois actions. Il t'en reste une quatrième. Quatrième, qu'est-ce que tu peux faire? On peut faire des échanges. Récupérer une carte de votre défausse. Ah, voilà! Récupérer une carte de votre défausse. Nickel. Quatrième action, je fais ça et je récupère mon drone. 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ouais, récupérer mon drone. Bon, mes quatre actions, si je les récapitule, j'ai mangé une fois. J'ai joué. Voilà, une carte de ma défausse. Donc j'avais récupéré. J'ai fait cette action. Récupérer et prenez en main une carte équipement de votre dépôt. Donc c'était et mettez-la en main. Hein. C'est ça. Ok. Et j'ai posé ma mine au cas où. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cartes. Ça va. Ah, Eva. Ben Eva. Eva. D'abord, elle fait ça. 3. 3, ça nous fait encore un autre monstre ici. Ça commence à faire. Hein. Ok, je pioche une carte. J'oublie pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 arcs. Hein. Super. 3 arcs. 3 arcs et rien de vraiment spécial. Là, on risque de choper le monstre. Alors, je regarde. C'est marqué, placez un jeton et la carte. Quand vous rejoignez le lieu objectif, prenez le livre ancien et piochez une carte boss au hasard. Est-ce qu'on va s'attaquer au boss maintenant? Je me dis que c'est peut-être pas idiot d'essayer de se débarrasser du vieux. Allons, 6. Donc portée, 3 dégâts, portée moyenne, il y a ça. Est-ce qu'on attend encore? Parce que pour deux actions, c'est quoi? Pour désactiver la bombe. Ok. Donc, il va falloir chercher déjà le... Ou alors, je lui fais une action gratuite à elle. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme action gratuite? Parce que si je fais ça... Lorsque vous piochez un nouveau monstre, défaussez cette carte et infligez 7 dégâts au monstre. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas mieux partir par là? Quoique le supermarché, il est là, hein. Enfin, la station-service. Parce qu'il me faut quand même deux. Est-ce que je la fais jouer? Je réfléchis. Ouais, on va faire ça. Donc, on va utiliser Tokiwaki. Choisissez un autre personnage. Je réalise immédiatement une autre action. On va faire la frappe. Alors, on va faire la frappe de drone. On va éliminer ces deux-là. Toc. C'est bon.
Ça, c'était l'action. Ça, c'était une action. Est-ce que je peux lui refaire jouer encore d'autres actions? Non, je pense pas, hein. Toi, tu te déplaces de 1. Là, je suis pas rentré, hein. Donc, c'est ta deuxième action. Et après, il te reste deux actions. Est-ce que tu observes? Tu fais la reconnaissance. Ah, ben, deux, tu as déjà. Ouais. Tu fais la reconnaissance de ça. Voyons ce qu'il y a. C'est du bleu. Ah, oh, mince, c'est un poste de folie, une fouille gratuite. Fouille gratuite, ça m'aide pas, ça. Il y a de la nourriture quand même. Et il y a de l'essence. Quatrième action, qu'est-ce que je fais? Je monte ou je descends? Pour l'instant, il n'y a pas d'antidote. Donc, je vais là. Ouais, je pourrais peut-être fouiller par là. Voilà, c'était ma quatrième action. Voilà. Par contre, je prends 5. D'accord. Martha. 5. Ah, là-haut. Ah bah heureusement que tu peux pas monter, hein. Un petit monstre. Tu pioches une carte. Bombe artisanale. Infliger 5 dégâts jusqu'à 3 ennemis à portée. C'est pas mal ça. Est-ce que tu vas dans la prairie? Parce que là, lorsque vous piochez un monstre, est-ce que piocher un monstre, là, ça va être le boss. C'est marqué où? C'est marqué où? Quand vous rejoignez et piochez une carte boss. Ah, bah voilà. Oui, allez, on tente. 1. Donc je rentre, hop. Ah, est-ce que j'ai récupéré? Est-ce que j'ai piégé ma carte? Oui, c'est ça. Je rentre. Je récupère par contre le livre ancien. Donc ça, c'est automatique. On va dire que c'est une action gratuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10. C'est pile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. 10, c'est bon. Donc, je pioche un monstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, casser. 5, 6, c'est ça. Ok, c'est quoi ce monstre? 30 points de vie, courte portée, attaque, poison, inflige des dégâts à tous les personnages à portée. À courte portée. Donc, c'est mutant enragé. 5 dégâts. Ok. Donc, je l'ai pioché. Donc je défausse ça. Et il se prend 7 dégâts. 7. Bon, 7. D'accord. Il se prend 7 dégâts. Ça, c'était donc ma première action. Je me suis déplacé. Ok, ça c'était. Maintenant, je réfléchis. Ok, donc deuxième action, je reviens ici au refuge. Voilà. Troisième action, alors j'hésite. Est-ce que je le tape à 5? Puis à 4, ça fait 9, 9 dégâts. J'étudie. Ouais, on y va. Alors, je suis ma deuxième action. Troisième action. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Peut-être pas. Troisième, je le tape à 4 et 4. Ah, ou alors. Ouais.
Je tape donc à 8. Je rajoute 8. Il arrive à 15. C'est ça. J'ai tapé deux fois. 4 plus 4. Ça fait 8. Ok. Donc il s'est pris 7 plus 8, 15 dégâts. Ok. Donc c'était mes deux actions. Tout ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc lui, par contre, il m'attaque. Court portée. Poison. Mince, il m'a fait poison. Avant qu'il m'attaque, non. Déclencher les fins sur la tuile. Il ne se passe rien. Comme j'ai débuté là, je suis pas immunisé, malheureusement. Donc, j'ai ma fin qui passe à 5. Active les monstres. Donc, lui, il me colle poison. Et m'inflige 5 dégâts. Waouh, ça fait 10. 10 plus, il y a marqué. Donc, je suis à 15. Ouais, je suis à 15 hein, quand même. 15, 15. Je suis à 15 et en tout, j'en ai que 26, hein. 15. Infliger des dégâts à tous les personnages à portée. Donc il n'y a personne à portée, donc c'est bon. Par contre, il me redonne un dégât parce que j'ai le poison. Ok, ça c'est réglé. T'as fini ton tour. Là, il faut pas que je me chope. Et donc tu as basculé à 5. Toi, il faut pas que tu te chopes un ennemi dans les pattes. Ah, tu te chopes un ennemi dans les pattes. Non, c'est pas vrai. Donc là, un ennemi. Un ennemi. Et tu te prends un ennemi. Ah, mince. Et tu te prends quoi? Un rat qui te colle poison, bien sûr. Pas cool. Enfin, c'est pas grave. On pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, réduisez de la fin de tous les personnages. Ah, ça, c'est peut-être pas mal, ça. Ouais, pas mal du tout. Alors, on y va. Ce que j'ai dit, c'est ça. Déjà, première action, tir à la tête, longue portée. Longue portée, t'as de la chance, t'es en diagonale, tu peux. Donc, tu colles 6 dégâts. Ah ouais, 6 dégâts. 6 dégâts, ça fait donc 21. Ben, 21, c'est déjà pas mal ça, 6 dégâts. 21, au prochain tour, à toi il faut que tu tapes 3 fois. Ok. Deuxième action. Deuxième action, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tuer, tu vas dire à un autre joueur, il réagit une action immédiatement. Bon, ça je verrai après. Bon, déjà, je dépense une pour tuer mon rat là. Pas qu'il me file des dégâts. C'est ma deuxième action. Ok. Troisième action, j'ai bien envie de jouer ça. Résuser la fin de tous les personnages, de tous les joueurs. Donc toi tu descends à 4 et toi tu descends à 4 aussi. Tous les deux à 4. Ok. Donc ça c'était quoi? Une action. J'ai tué lui. Alors une action, j'ai utilisé ça. Deuxième action. J'ai utilisé mes deux cartes en fait. Et il me reste encore une action. Une action. Une action, je peux pas me. Est-ce que je fais une fouille? Est-ce que je fais une fouille ou est-ce que je dis à toi, tu peux taper une fois? Parce que tu vas taper une fois. Il lui reste encore 9 dégâts. Je vais lui dire. Allez, Martha, tu tapes un coup là? Ouais. Allez, je tape un coup. Et je lui colle, pardon, 4 dégâts. Ok. Ok, ça c'est bon.
Il est à 25. C'est bon. J'ai fait mes 4 actions. Je monte à 5, bien sûr. Et il m'attaque pas. Qu'est-ce que j'avais pioché comme carte? Je ne sais pas si j'avais pioché une carte. Ah si, ben je l'ai joué de toute façon, c'était ça. Ok, donc ça c'est bon. J'ai monté ma fin. Et par contre, j'ai un poison, donc je me prends un petit point de dégâts, bien sûr. Donc j'ai. En fait, j'ai 12. J'ai 12 dégâts. Voilà, 12 dégâts. Ah! Martha, 7. Ouf, 7 c'est rien. 7 c'est rien. Allez, Martha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne 2 coups. Ça fait 8 dégâts. Elle pourrait l'avoir qu'avec ça, qu'avec la bombe. Ça ferait qu'une action. Ouais, mais il faut qu'elle. Maintenant, il faut aller chercher de la nourriture, hein. Ouais. 1, 2. Et tu tapes deux fois. 3, 4. Donc 2 déplacements plus 2 attaques. Donc toi tu meurs. Ouf, le boss, il est mort. Ouais, le boss est mort. Par contre, je me prends un poison, bien sûr. Et oui, parce que le boss, à chaque fois, il rajoutait un poison. Voilà. Ah oui. Et le rat, c'est pareil, quand il attaquait, il rajoutait à piocher. Non, c'est quand il piochait. Ok. Donc au moins, on s'est débarrassé du boss. Ça, c'est bien. 4. Par contre, t'as basculé à 5. Voilà. Maintenant, à 8, 9. C'est combien? 6. Il n'y a pas de 9. Ouf, il n'y a pas de 9. Pioche une carte. Camouflage encore. On ne peut pas avoir deux cartes camouflage. Hein, c'est deux équipements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Ok. On fouille. Première action, une fouille. C'est pas terrible. J'ai 9 cartes. Deuxième action, choisissez un autre joueur, il réalise immédiatement une action. Deuxième action, je fais ça. Et Martha, elle va fouiller. Elle va fouiller, donc c'est du bleu. Munition. Oh punaise, c'est pas vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mince, j'ai 11 cartes, là il faut que j'en défausse. Le livre ancien, on va le garder quand même, on est peut-être obligé de le garder. La clé à molette, voilà ça. Allez, le masque, je défausse ce masque. Ah, quoique, j'ai une action pour récupérer en fait un équipement. Ouais, j'ai deux chalumeaux. Allez, on jette un chalumeau. Ok. C'était ma deuxième action. Eh oui, mais j'aurais dû rentrer dans le. Oui, je suis bête. Un, deux. Là, il faut que je fasse deux actions. Un, deux, qu'est-ce qu'on peut faire là? Et toi, qu'est-ce que tu peux faire si je te refais faire une action? Ouais, t'as rien. Troisième action, je vais faire ma reconnaissance là. Celle-ci, allez. Épicerie. Ah, c'est du vert. Épicerie, c'est peut-être vert. Oh, révéler une fouille gratuite. Ah, j'ai vraiment pas de peau. Ok. Donc, c'était ma troisième action. Et quatrième action. Eh ben, je vais y aller. Quatrième action, j'y vais. Ok. Par contre, je passe à 6. Ah, mince. Je prends donc 3 dégâts. Voilà, j'avais
Je vais 10 plus 12, je vais 12 et je prends donc 3 dégâts. Voilà, 3 dégâts, un poison plus malheureusement ceci. Voilà. Ah, Martha. 9. Oh, punaise. 9. Piochez, défaussez une carte fouille ou subissez 3 dégâts. Une carte fouille ou subissez 3 dégâts. Oh bah les jumelles. Allez, on défausse la carte fouille. La jumelle. C'est bon. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc ça, c'est pas mal. J'ai récupéré mes trucs. 9, c'était le seul. Ouais. D'accord. Première action, qu'est-ce qu'on fait? J'ai encore de la nourriture. Ben Martha va fouiller. Une action, elle fouille. Bleu. Essence. Ben, elle garde l'essence. Hein. Ah, mais elle n'a pas de nourriture. Ah oui, ça lui sert à rien, peut-être la nourriture. Mais elle va prendre des gros dégâts. Bon, une essence, c'est pas mal. Deux, elle se déplace là. Elle prend malheureusement un poison. Elle défausse toutes ses cartes nourriture. Mais elle n'en a pas. Ça, c'est pas mal. Ok. Et pour deux actions, elle désamorce là. Voilà, elle fait ses deux actions. Donc elle a fouillé, elle s'est déplacée, elle fait ses deux actions pour fouiller. Donc voilà, on a désamorcé la bombe. J'ai désamorcé la bombe. Par contre, tu passes à 6. À 6, malheureusement, tu te retournes. Et tu vas te prendre 4 dégâts. 4 dégâts, donc ça fait 20. Oh, t'es basculé à 20, toi. 4 plus 6, 20. Ouais, 20 dégâts. Ouais, en tout, t'as 21 dégâts. Dégâts était là. Donc, si tu prends 6 dégâts, là, t'es morte. Au prochain tour, allez, toi, t'es un peu cuite. Hein. Allez, à nous. Donc Martha, elle a fait ça. Est-ce que j'avais pioché ma carte? Bien sûr, j'ai pas dû piocher ma carte. Je ne sais pas. Non, j'avais pas dû piocher ma carte. Donc je pioche ma carte. Ah, c'était ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pareil. Rechercher totalement une arme, ça c'est quand même bien. Hein. Plus un. Bon, on défausse, on défausse ça. Bon, allez, les 3 000. Oh, ouais, on défausse ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bon. À toi. Donc, toi, faut trouver de la nourriture. Il faut pas. 8. 8, on en a un là. Ah oh, punaise, on ne peut pas en avoir plus de 3 hein, quand même. Hein. 8, 8. Ok, à nous. Et t'as un petit poison. Première, tu fouilles. Allez, du verre, de la nourriture. Ouais, nourriture. Nourriture, on va mettre qui en nourriture? Et l'autre, il fait 3 dégâts. Et là, je suis à 15. Ah, je suis à 15. Hein. 15. On va mettre ça à 15. On va qu'à 24. Hein. Et il file 4 dégâts. Je vais avoir 4 dégâts. 4 plus 4, 8. Ça fait beaucoup. Ça fait 23. Donc, 7. J'étudie. Bon, deuxième action, bien sûr, je vais prendre la fin. Pour 2, je vais descendre à. Alors, est-ce que c'est toi? Ouais, tu descends à 4. À 4.
Tu descends un cap, donc tu te retournes. Ok, tu descends un cap, tu te retournes. C'était donc ma deuxième action, ma première action. Deuxième action, je vais jouer. Ah, mais j'ai pas pioché ma carte, je crois. Ah, j'ai même pas pioché ma carte. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'avais pas pioché ma carte. Donc, bah, justement, j'en ai deux, ça tombe bien. Piège. Infliger 2 dégâts à une cible, assommez-la jusqu'au prochain tour. Donc, 2 dégâts, ça c'est peut-être pas mal. Et surtout, elle est assommée. Donc, j'ai joué ça. 5, 6, 7, 8. Après, c'était donc ma deuxième action. Troisième action. Troisième et quatrième action. J'ai fouillé, je crois. Ah oui, j'ai dû faire une fouille aussi. Oui, j'ai dû faire une fouille. Oui, j'ai fouillé parce que j'ai récupéré ma nourriture. 7, 8. Donc c'est ma troisième action. Et Tokiwoki, je demande à la miss là de revenir. Elle se déplace d'une case. Elle peut rien faire de plus. Elle fait pas. Ok, donc ça c'est bon. Par contre, je bascule à 5 et je prends un poison. D'accord. À Martha. Allez, Martha. 5. 5. Alors, un ennemi ici. 5. Ok. Martha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut fouiller. Est-ce que ouais, c'est dans le verre où il y a beaucoup de nourriture en fait, hein? Je crois que c'est dans le verre. Est-ce qu'elle fouille au poste de police ou pas? Mais nourriture, il y en a beaucoup dans le verre. Ça, je récupère toutes ces actions là que j'ai faites. Première action. Elle vient là. Allez. Première action, elle se déplace. Deuxième action, elle fouille. Allez, la nourriture. Ouais, nourriture. Troisième action, elle se nourrit. 3. Donc elle redescend à 3. Ça, c'est pas mal. Donc c'est sa troisième action. Et il lui reste une action. Bah, c'est pas les bonnes couleurs, mais bon. Et une action. Alors, une action. Eh bien, une action, elle va taper l'autre là. Une action. Une action, elle va taper l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que j'avais pioché une carte comme d'habitude? Je crois que j'ai pas pioché ma carte. Ah, la tourelle. Ah, oui, d'accord. Bon, on défausse ça. Allez. J'avais pas pioché ma carte. Et ma dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, bah, je vais le taper. Je le tape à 4. Il se prend 4 dégâts. Voilà. Il ne reste plus qu'un dégât. Ok. Par contre, elle monte à 4. Et elle se prend 2 dégâts. Parce qu'elle a deux poisons, il ne faut pas oublier. Donc elle est montée à 20, 24, 23 au prochain tour. Prochain tour, malheureusement. À 8. 8, on est où? 8, ça fait un là. Ah, là, on ne peut plus. Là, un, juste un là. 8, c'est bon. Pioche une carte. Piège à loup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cartes. Donc lui, il s'est redressé. Il n'a plus que. Pour une action. Bah, 1, 2, 3, 4.
Ouais, comme c'est un peu la même chose, là, j'ai pas récupéré mon jeton. Une action, je vais demander à Martha de taper. Donc tu tapes. Donc toi, t'es mort. Ou alors, je refais mon piège. Ou alors, je refais ça, là. Le piège de dégâts, il est mort. C'est un peu pareil. Elle tape 4. Ouais, on va essayer ça. Donc, premier, je vais jouer mon piège de dégâts, donc toi t'es mort. Ok. Ça, c'est bon. Deuxième. Tu fouilles. Vide. Mince. Troisième, tu demandes. Ouais, tu demandes. Donc en fait, oui, c'est elle qui avait. Non, j'avais joué mon piège. Tu demandes à elle de fouiller. Fouille. Nourriture 2. D'accord. Par contre, ça te fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pareil. Clé à molette, on a des fausses. Ok. Troisième, gratuitement, on échange. Ok. Et toi, dernière action, tu joues ça pour descendre à 3. Voilà. Fin du tour. Tu montes à 4. Et tu prends un dégât encore. Ouais. Ah, c'est pas cool, allez, à Martha. 7, 7, on a de la chance. Il se passe rien, tu pioches sa carte. Ah, c'est ça, démarrer une voiture, c'est ça la fameuse carte. Déplacer un joueur sur une tuile révélée. Ah bah toi. Toi, tu te déplaces. Comme ça, tu peux laisser l'essence. De toute façon, toi, t'es fini, hein. Donc, petit 1, on va dire, tu fouilles. Tu fouilles vert. Pièce détachée. Récupérer une carte dans votre défausse. Ah, bon, par contre, 9, 10, 11, t'as toujours 11. Ouais, ça, c'est pas des cartes qui vont m'être utiles. Dans ma défausse, j'ai quoi dans ma défausse? Ah, j'ai la. Ah oui, j'ai pas ma frappe de drone. Oh yes! Ah oui! Donc, je vais jouer ça. Pièce détachée. Récupérer une carte dans votre défausse. Donc, première action. Alors, j'ai fait la fouille. Hein, j'ai récupéré. Non, j'ai pas fait de fouille. Si, j'ai fait la fouille. Ah oui, j'ai récupéré ça. Fouille, j'ai récupéré ça. Deuxième action, je joue pièce détachée. Et je récupère mon drone. Ah mince, je ne sais pas où il est. Ah, je croyais que j'avais drone. Ah, je l'ai déjà mis dans ma truc. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc j'ai récupéré mon drone. Ça, c'était ma deuxième action. Un, deux. Et après, troisième action, retirer tous les pions monstres d'une tuile de lieu. Je vais retirer tout cela. Voilà. C'est ma troisième action. Et quatrième action. Et quatrième action, je me déplace. Je suis pas encore mort alors.
non, je prends que 3 dégâts là. Ah, je suis pas encore mort. Je prends que 2 dégâts. Ah oui, mais troisième action, si je me déplace là, ça va pas le faire. Hein. Ah, mais si je meurs pas, c'est peut-être pas mal. Ah bah oui. Troisième action, déplacer un héros sur une tuile lieu révélé. Toi, tu vas là. C'est ta dernière action. Tu te déplaces au moins jusque-là. Comme tu vas pas mourir, il te reste encore 3, un dégât. 2, 4, 6, 8. Ok, donc ça c'est bon. J'ai fait mes 4 actions que je récupère. J'ai pioché une carte. Ok. Je l'ai joué 2. Petit 3. J'étudie. Ok, j'ai bien, oui. Parce que j'ai récupéré, j'ai fait frappe de drone et après j'ai fait démarrer la voiture. Donc j'ai mes 4 actions. 4 actions. J'ai fini mon tour. Je suis là. Ça peut aller. Je récupère donc 2. Je passe à 25. 25. Ouais, je sais pas si ça va faire grand-chose. Et je monte à 5. Si je me suis pas trompé. Ah, allez, ni 9, ni 8, ni 6. 3, mince. 3, c'est celui-là. Donc si je me déplace, mince, j'enlève tout ça. Si je me déplace, qu'est-ce que je peux faire? Tout d'abord, je pioche ma carte. Ah, tir à la tête. Ça peut être pas mal quand même. Sauf que je peux pas me déplacer. Et 3, ça me fait qu'il faut que je fasse. Bah oui, il n'y a que ça. Hein. Camouflage, je ne peux pas en avoir 2. Ou alors je me prends 3 monstres d'un coup là. Oh, ça va faire chaud ça. Si je lui dis de faire une action, elle va se déplacer. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme action? Ah, elle pourrait balancer ça. 5 dégâts. On va essayer ça. Allez! On essaie de se déplacer. Est-ce qu'on se déplace? Allez, on se déplace. Alors, ça fait, il faut que je fasse 9, 11, 12. Non, 11 moins 3, 8. Faut que je fasse moins 8. Ah, punaise, 12, 11. Je me chope 3 monstres. 1, piocher, défausser une carte fouille ou subissez 3 dégâts. 2, un rat qui m'empoisonne. Ah, 3. Un normal. Donc lui, il m'empoisonne. Piocher, il m'empoisonnait. 2. Ah, par contre, on a tout ça. D'accord. Ouh, bah c'est peut-être pas. Ah mince, il avait 5 points de vie, lui. Ah, le rat mutant, je crois que je me suis trompé tout à l'heure. Ah oui, je l'ai tué, mais non, je pouvais pas. Ah oui, je crois que le rat mutant, j'ai compté 2 points de vie, il en a 5. Ouais, peut-être une erreur. Hein. Alors, c'était ma première action. Donc ceux-là, ils ont tous disparu. Ok. Deuxième action. On va dire,
comment dire, la première action, je me suis déplacé. Deuxième action, je dis, aide-moi, s'il te plaît. Balance quelque chose. Ok, je te fais une action, la bombe artisanale. 5 dégâts jusqu'à 3 ennemis à portée. Retirer le pion monstre d'une tuile lieu adjacente. Ou retirer tous les pions monstres. Ah mince, j'aurais dû faire ça avant. Ah l'idiot. Ah l'idiot. Ah ouais, ah, pas bon. Bon, c'est pas grave. Allez, 5 dégâts. Et mal joué, bien sûr. J'aurais dû retirer tous les monstres. Ah ouais, mal joué. Alors, jusqu'à 3 ennemis. Bah, ils sont 3. Donc, toi, t'es mort. Toi, tu t'es pris. Donc, 5 dégâts. Bah, tous les deux, ils prennent 5 dégâts. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Donc, ça, c'est bon. Bon, après. Eh ben, après, je tire 2 pour une action. Infliger 3 dégâts à une cible si vous pouvez défoncer une autre munition pour attaquer une cible supplémentaire. Donc lui, il est mort et lui, il est mort. Oh punaise, j'aurais pu m'en débarrasser ça avant. Donc ça me fait quand même ma troisième action. Et quatrième action, eh ben je viens. Voilà, je me déplace. 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas si j'ai pioché ma carte, si j'ai dû piocher longue portée, je crois. Ok, donc là, après avoir un peu triché, hein, il nous manque quand même un. Ah, oui, par contre, je prends quand même 2 dégâts. 2 dégâts. Ça me fait 20. Et là, ça fait eh ben 19. 19, on n'est pas encore arrivé. Ah, Martha. 7. Ah, 7, c'est bon. Ouf. On pioche une carte. À la clé, ouais, d'accord. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai plus que 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bah, parce que j'en ai dépensé pas mal au tour d'avant. Alors, première. Allez, on fouille. De l'essence. Nourriture. Première, c'est de la nourriture. Première, c'est de la nourriture. Sauf que là, bah, là, toi, t'es morte. Hein. Action gratuite, tu donnes ça à toi. Toi, t'es pas à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'es pile à 10. Ah ouais, le livre, il me sert plus à rien. Et ça, je peux pas la retirer, hein. Ah oui, si je voulais retirer tous les jetons. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que toi, de toute façon, t'es morte. Je crois que quand on meurt, les jetons, ils disparaissent. Donc, bah, tu vas te sacrifier. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Bah oui, là-bas. Ou alors, elle peut retirer un truc ici qui peut être bien. Première action, elle a fouillé. Deuxième action, elle va piocher une carte. Nul. Ah. Troisième action. Troisième action, qu'est-ce qu'elle peut faire? Une carte équipement de votre défausse. Ah, de n'importe quelle défausse, c'est. De n'importe quelle défausse. Carte équipement. Ouais, mais équipement. Piège à ours. Non. Non, là, il n'y a pas chalumeau, mine à proximité. Non. Alors, ma deuxième action, j'ai pioché. Est-ce que tu vas là-bas? Sont dans tous les cas, ouais, tu pourras taper une fois, fois 5.
Je me dis que si j'arrivais à choper la même carte que celle-ci, mais je sais pas si j'en ai deux. Peut-être même pas. Frappe de drone. Est-ce que frappe de drone, je peux l'avoir? Allez, je repioche une autre carte. Frappe de drone, amélioration. Placer cette carte, celle-ci inflige un dégât supplémentaire. Nul. Ouais, donc là, c'est un peu cuit. Donc, et dernière action, bah, je me déplace. Je me déplace, je fais pas le test de furtivité. Donc, je me chope deux monstres. Un rat qui m'empoisonne. Ok. Et un normal. Mince, c'est pas toi. C'est toi. C'est toi qui te les prends. Ok. Bon, par contre, c'est la fin de ton tour. Fin de ton tour. Voilà, tu t'es déplacé. On récupère tous les jetons. On récupère tous les jetons. On enlève ces deux-là. Ok. Je récupère tout cela aussi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais voir? Donc, c'est la fin de mon tour. Bah là, toi, tu meurs, c'est sûr, parce qu'ils t'attaquent tous. Donc, t'es mort. Donc, t'es mort. Voilà. Voilà, t'as pris trop de dégâts. De toute façon, voilà. T'es rip. T'es rip. Et donc, tout ça. Alors, ça, c'est une carte fouille. La carte fouille, elle reste ici, en fait. Tout ça, c'est défaussé, bien sûr. On n'a plus besoin de rien. Toi, t'es fini. Par contre, quand on meurt, je crois que les monstres ils disparaissent, mais est-ce qu'ils sont remplacés par des jetons? Je crois qu'ils sont remplacés par des jetons. Hein. Donc, au final, j'aurais peut-être pas dû y aller, hein, tout simplement. Ouais. Ah oui, c'est marqué là, la fin. Fin de jeu. Quand un survivant n'a plus le PV, il meurt. Tous les monstres de ce personnage sont défaussés et remplacés par des jetons monstres. Ah ouais, non, ça, oh, punaise. Ah, ok, c'est pas grave. Voilà. Alors, les cartes fouilles de ce personnage sont déposées sur le lieu où il est mort. Les cartes peuvent être récupérées par une action gratuite. Ok, donc ça c'est réglé. Par contre, eux, ils sont défaussés. Ça me... ouais. Et donc c'est, eh ben, à Eva, il te reste plus que Eva, qui malheureusement et pas en super forme. Et fait 9. 9, c'est où ça? 9, c'est là. 9, de toute façon, comptez pas y aller. 9, ok. À nous. On pioche une carte. Alors, on baisse sa fin, on baisse sa fin. 2, on peut baisser ça. Bon, premier, on va fouiller. Fouille gratuite. Allez, de l'essence. Pistolet. Ah, punaise. Pistolet, j'en veux même pas. Est-ce que j'ai 10 cartes? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mince, j'ai même 12 cartes. Celle-ci, je la prenais pas. Camouflage, je la veux pas. Et l'arc, bien sûr que j'en veux pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, là, j'en ai que 9. 7, 8, 9, 9. Alors, ça faisait 1, 2, 3, je fouille. Allez, du verre. Munition. Oh, punaise. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et dernière action, je pose ça à la place de mon Tukiwoki que je balance. 7, 8, 9. Ok, je monte à 5. Je prends 2 dégâts. Ah, là, par contre, j'ai basculé à 21. Ah ouais, bah je suis mort là. 21. Ok. Oui, je me calme pris. 21. Voilà. Après, tour suivant.
10. 10, il n'y a pas de 10. Ok. Ok, petit 1, on fouille. Je pioche ma carte. Choisissez un élément dans votre pile de vaisseaux et mettez-le en jeu directement. Ah, choisissez un équipement. Le piège à ours. Et ouais, je vais peut-être faire ça. Piège à ours. Ça me fait deux pièges à ours. Ah oui, mais là, ça fait quatre déjà. Là, ça fait quatre. Donc là, je peux pas. Mon camouflage, ça peut être utile. Non. Alors, pour l'instant, ça, je laisse. Ben, je fouille. Allez, première action, on fouille. Vert. Nourriture. Mince. Mince, mince, mince. Nourriture, c'est pas cool. Et là, j'ai 20. Ouais. Deuxième action, je me déplace. Troisième action, je fouille. Bleu. Allez, essence. Pièce détachée. Récupérer une carte de votre dépose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, j'ai 12 cartes. J'ai 12 cartes. 1, la machette. 2, bon, j'ai des arcs. Il y a des arcs qui ne me servent à rien. Arc, arc. 1, 2. Mince. 1, 2. Ça me fait combien de cartes tout ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10. Ok, donc j'ai fouillé et j'ai eu, je sais plus quoi, j'ai eu quelque chose et pas. Et puis là, j'ai réduit ma fin de 4. Je me suis déplacé, c'est ça. J'ai fouillé. Et je réduis ma main de 4. Je descends à 1. Ok. Ok. On a fait donc toutes nos actions. On monte à 2. Et malheureusement, on prend encore deux dégâts. Et là, on est à 23. Oh, ouais, 23 là. Faut que je trouve de l'essence. Allez, dernier. 11. C'est bon. 11, on est sauvé. Enfin, on est sauvé. On pioche une carte. Ça me sert à rien. 7, 8, 9, 10. J'ai 10. Bon, ben on fouille et on trouve de l'essence, bien sûr. Et non, on trouve des munitions. Ah, punaise. Ben là, je suis fini, là. Là, je suis cuit. Je suis cuit parce qu'il me faut trois essences. Mettez-le directement en jeu. Et puis comme je prends trois dégâts, 1, 2, 3. Ouais, ma seule solution, c'est de trouver l'antidote ici. Est-ce qu'il y a encore un antidote en rouge? Ah ouais, mais ils vont m'attaquer de toute façon. Ah oui, sauf si j'arrive à les éviter. J'ai plus que ça. Ouais, parce que là, ça sent encore la défaite. Par contre, elle est où ma carte? Alors, antidote, ouais, là. Ah, dans le vert, j'ai aussi des antidotes. Ou kit de soins. Antidote ou kit de soins. Ouais. Allez, on tente là. On tente là. Donc, on essaie d'y aller discrètement. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, le plus de jeu n'est pas, donc il faut que je fasse 9. Ouais, je fais pas de bruit. Donc ça, je me suis déplacé. J'ai pas fait de bruit. Je fouille. Allez, un antidote ou des soins. Sac à dos. Ok. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, le sac à dos, on s'en débarrasse. Bon, et puis bah, voilà, après c'est fini, je peux plus, je prends deux dégâts. Je prends deux dégâts,
Je peux rien faire de plus. Bah ouais. Un équipement, ouais. Bah oui, parce que là, c'est mon poison qui donc on bascule à 3. Hop. Je prends 2 poisons. Ça me fait 25 et c'est la fin. Alors, voyons voir. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que j'avais? Si j'étais allé dans le vert, est-ce que dans le vert, j'aurais... Non, de la nourriture. Dans le rouge, ah, pièce détachée. Ah non, c'était... Oh, une embuscade. Ah, l'essence, elle était en 3. Et pas d'antidote, hein? Ah ouais, pas d'antidote. Eh ben, l'antidote, oui, j'aurais jamais trouvé. Kit de soins, il était là. Antidote après. Dans le bleu, qu'est-ce qu'on avait? Bon, bleu, de toute façon, j'y étais pas. Mais là, vert. Ah! Enfin bon. C'est pas grave. Eh ben, encore une bonne partie. Hein, encore échoué, mais de peu. Bon, après, comme j'ai triché sans le savoir ici, là. Les 5 points de vie, je les ai pas vus. Il me semble que j'ai calculé que 2 points de vie. Sur le deuxième mutant. Le deuxième rat, mais le premier, j'ai des doutes. Celui-là, je ne sais pas si j'ai pas fait 5. Mais bon, ceci dit, c'est perdu. Ben, bien. Et puis, alors, là où j'ai quand même eu de la chance, hein, c'est que les deux, ils étaient vraiment à proximité. Hein. Ouais, ça, c'était vraiment bien, quoi. J'ai pas eu à explorer tout le reste. Hein. Mais bon, dur, très dur. Hein, très, très dur. Mais super. C'est quand même bien plaisant. C'est parti. On réfléchit. On n'y arrive pas. Hein. Moi, j'y arrive pas. Mais c'est toujours un plaisir d'y jouer. Allez, à la prochaine.